Nouvelles dispositions en matière de titre de séjour et de regroupement familial. La nouvelle loi sur l'immigration en France, adoptée en décembre 2023, a subi des modifications importantes après l'intervention du Conseil constitutionnel en janvier 2024, invalidant une partie des dispositions contestées par les députés et sénateurs de gauche. Les changements concernent principalement le regroupement familial et les demandes de titre de séjour. Pour le regroupement familial, la période de séjour nécessaire a été prolongée à 24 mois avec obligation d'assurance maladie, et l'âge requis pour le regroupement et son conjoint est passé à 21 ans. Concernant les demandes de titre de séjour, la loi introduit des dispositifs restrictifs comme une instruction à 360 degrés dans certains départements pour éviter les demandes répétitives. La loi prévoit également l'accès au titre de séjour pour les étrangers malades résidant en France sous certaines conditions médicales et financières, ainsi qu'une carte de séjour pour les victimes de marchands de sommeil pendant la procédure pénale. Ces ajustements marquent un durcissement de la politique d'immigration en France avec l'introduction de conditions plus strictes et davantage de protection pour certains groupes d'étrangers.